Yo tout le monde, j'espère que vous avez la forme. Moi, pour ma part, ça va super. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouveau vide-grenier live. Donc voilà, comme promis, on va faire le vide-grenier comme c'était prévu. Donc je vous rappelle, c'était un vide-grenier que je vais faire à Villers, qui est dans un petit village qui est à côté, enfin qui est pas loin de chez moi. Donc voilà, c'est le seul vide-grenier qu'on va faire aujourd'hui. Et puis voilà, j'espère que ce vide-grenier-là va vous plaire et puis en espérant qu'on trouve des petites choses sympas. Donc allez, ceci dit, je vous laisse et puis on se dit à tout de suite pour les images. Allez, à plus tard pour le compte-rendu. Ciao! Une heure que tu fais ça? Bonjour.
C'était moi. C'est sympa les petits camions. Bon voilà les amis, j'ai pu voir à travers les quelques images que je vous ai montrées, voilà les quelques stands de jeux vidéo, plus un petit stand de voitures que j'ai montré vite fait, voilà, qui montaient des petits camions joués sous blister encore, qui étaient pas trop mal. Bon voilà, là actuellement il est déjà 6h30 passé, le vigourier, ça fait déjà un peu plus d'une demi-heure que le vigourier a commencé. Voilà, j'ai pas trouvé grand chose, j'ai dû dépenser en tout une petite dizaine d'euros, gros maximum. J'ai pris essentiellement de la PS3, donc il y a quelques jeux PS3 que j'ai pris, et aussi un petit jeu 3.6, ça faisait longtemps que j'ai pas trouvé de 360, et donc là je me suis trouvé un petit jeu 360. Donc voilà, donc je vous ferai le compte rendu là juste après, dès que je serai de retour chez moi, et puis voilà, donc on fera le petit récap juste après. Donc allez, ceci dit, on se dit à tout de suite pour le bilan. Allez, à tout de suite. Donc, nous y voilà de nouveau chez moi, où on va faire le petit compte-rendu. Donc oui, petit compte-rendu, parce que comme je l'ai dit dans la voiture juste avant, j'ai pu récupérer que quelques jeux PS3 et un jeu 3.6. Donc, les voilà. Les quatre jeux, donc trois jeux PS3 et un jeu 360. Bon, c'était pas folichon, franchement, ce petit vide-grenier. Il n'y avait pas grand-chose. Bon, quand je suis arrivé à l'ouverture, il manquait encore beaucoup d'exposants. J'avais un petit peu attendu, donc j'ai vraiment vite fait le tour. J'ai vu quelques stands de jeux vidéo, mais pas tant que ça. Et puis, entre-temps, il y avait encore d'autres personnes qui arrivaient, d'autres exposants qui étaient en train d'arriver, qui étaient en train de déballer. Et j'ai un peu attendu, et finalement, quand je suis parti, il y avait encore des exposants qui arrivaient, mais pour le peu de jeux vidéo que j'ai trouvé, c'était pas tip-top. Alors, il y avait aussi d'ailleurs un stand que j'ai pas filmé, que j'ai même pas voulu filmer, tellement c'était horrible. C'était des revendeurs, des gros vendeurs qui vendaient, vous savez, les mêmes genres de jeux, etc. Il y avait la PS2, tout ça, et il y avait même des consoles PS3 et PS2, mais les consoles elles étaient dans un état, mais vraiment lamentable. Plein de poussière, c'était crade, et même une PS3 qui manquait des morceaux de la console, tout, c'était horrible. Et franchement, comment tu peux vendre du matos comme ça? Après, il y avait aussi d'autres vendeurs là, qui vendaient beaucoup de jeux vidéo aussi, où c'était des démos et des trucs comme ça. Et puis voilà, il y avait juste, en final, il y avait vraiment que 2-3 vendeurs de jeux vidéo que j'ai pu voir, hein, où j'ai pu leur prendre quelques jeux. Et voilà quoi. Après, il n'y avait pas grand chose quoi. Mais j'ai pu voir à travers les images qu'il n'y avait pas grand chose. Et puis, voilà. Je veux d'abord, avant de faire le compte rendu, je voulais revenir sur un stand que vous avez pu voir dans les images. Ou si vous voulez, vous avez le stand qui venait de la PS4, Xbox One, de la PS3 aussi. Et bien sûr de la DS. Ils étaient pris comme très très cher, des prix de magasin quoi. Parce que, bon, il y avait du blister. Les jeux blister, ils mettaient à 15€. Sur PS4, ceux qui n'étaient pas sous blister c'était à 5€. Et c'est quand je voyais ça dans la gueule de certains titres, voilà quoi. Les jeux DS c'était entre 10 et 15€, et c'était la plupart des jeux, c'était des good jeux comme les Mario, etc., qui c'était les prix de magasin. Et puis quand tu dis que le minimum c'était 10€, quand tu vois certains titres DS qui étaient de base pas ouf et qui mettaient aussi à 10 balles, je trouvais ça très cher quand même. Mais bon, voilà, après, j'ai pu quand même trouver quelques petites choses pour vraiment pas trop cher. Sur ce vide-grenier, j'ai dû dépenser entre 10 et 11€ gros maximum, ce qui est vraiment pas beaucoup, mais bon, ça va, franchement, ça me laisse quand même de la marge, ça me laisse quand même encore pas mal de budget pour les prochains vide-greniers et pour les futurs achats, quoi. J'avais un budget de base de 70€, ouais, j'ai dû penser que 10-11€, quoi, gros maximum. Enfin bon voilà, donc je vais passer au compte rendu. Donc on va passer d'abord par les jeux PS3. Donc on va commencer par un stand où j'ai trouvé deux jeux PS3 que j'ai acheté, ces deux jeux. Il s'agit du SSX et du Dead Island. Voilà, très bon jeu. Elle faisait 2€ pièce. Je lui ai négocié 3€ les deux. Elle a accepté, donc 3€ les deux jeux. Ce qui est vraiment très correct, franchement. En plus,
Bon, et le SSX, il manque juste sa notice, hein, la notice du jeu, sinon il y a la notice de la console, etc. Et bon, c'est pas grave. Par contre, le CD, il est plutôt en très très bon état. Ça fait quand même plaisir. Donc voilà, bon, SSX, hein, un jeu de snowboard, voilà, un jeu de snowboard, voilà. Qui sont plutôt des jeux plutôt sympas en général. Donc voilà, franchement, c'est comme si j'avais payé 1,50 les deux. Donc franchement, c'était vraiment pas mal. Et pareil, un très bon jeu que j'ai pu reprendre sur ce même stand. Donc pareil, donc, comme je rappelle, 3 euros les deux. Le Dale Island Riptide. Voilà. Voilà, un petit jeu qui fait quand même plaisir. C'est même un très très bon jeu, les Dead Island. Donc franchement, voilà, j'ai pas payé cher celui-ci. Au moins, il était complet, il avait sa notice. Et puis, bon, il y a quelques poussières là-dessus, mais sinon, en temps normal, ça va. Il est plutôt en bon état. Donc voilà, plutôt content. Donc ces deux jeux-là, pour 3 euros au lieu de 4 euros. Donc franchement, petite affaire, voilà. Donc il fait quand même plaisir. Donc 3 euros, voilà, qui est vraiment très très plaisir. Donc voilà. Ensuite, dans un autre stand, c'était le stand où il y avait les jeux DS, les jeux PS4, Xbox One et 360. J'ai pu trouver parce qu'il est dans un bac de ce vendeur, un jeu qui est plutôt sympa. Je crois donc encore un jeu PS3. Il s'agit du Devil May Cry 4, qui fait quand même plaisir. Je l'ai payé 3 euros également celui-ci, ce qui est vraiment correct pour un Devil May Cry, je trouve, ça va. Donc voilà, 3 euros. Bonne nouvelle, il est complet en plus aussi, hein, celui-ci. Et bon, il y a quand même quelques rayures, mais logiquement ça devrait passer. Bon, quelques rayures. Bon, tant que c'est pas des rayures circulaires, ça passe. Mais voilà. Ah, je suis trop content, Devil May Cry sont des très très bonnes séries de jeux aussi. Hein. Bon, la jaquette elle est un peu crados, mais bon, c'est pas très grave. Non, franchement, voilà, au moins c'est genre un petit jeu pour 3 euros. Franchement, un jeu comme ça va, franchement, je suis content. Donc 3 euros le jeu, ce qui fait quand même plaisir, hein, ensemble. Et le dernier jeu, il s'agit d'un jeu 3-6. Ça faisait très très content. Enfin, je suis très content parce que c'est longtemps que j'ai pas rentré de 360. Bon, c'est le jeu que j'ai payé le plus cher, franchement, du lot. Je l'ai payé 5 euros. Hein. Je pense, j'avais essayé de négocier à 3 euros, mais il a pas voulu négocier le vendeur. Mais bon, c'est pas grave. J'ai quand même pu prendre le Dead or Alive 4. Voilà. Donc franchement, voilà, une bonne série de jeux. Pareil, c'est un genre de jeu de, si je dis pas de bêtises, un genre de jeu de combat ou je sais pas. J'ai jamais vraiment joué les Dead or Alive, pardon. Hein. Donc je sais pas trop à quoi ça ressemble, mais bon, quand j'ai vu ce titre, je me suis dit, oh, pourquoi pas le prendre. Après 5 euros, je trouvais que ça passait encore, même si j'aurais bien voulu, même si j'ai bien voulu qu'il me le fasse pour 3 euros, mais bon, c'est pas grave. Voilà, au moins j'ai comme un petit jeu 3-6 qui fait quand même plaisir. Et puis en plus, il est complet, donc ça fait quand même très très plaisir. Et bon, l'état du CD, il y a quand même quelques micro-rayures, mais dans l'ensemble, c'est plutôt un état tout à fait correct. Donc voilà, un autre petit dead, un tout petit jeu 3-6 qui rentre dans la collection qui fait plaisir, plus les trois jeux PS3 qui rentrent dans la collection. Donc voilà, c'est vraiment tout ce que j'ai à peu près trouvé dans ce vide-grenier. Hein. Donc comme j'ai dit, j'espère que les images, vraiment les quelques images vous auront plu. Hein. Voilà. J'espère que ce petit contrôle vous aura plu, ainsi que ce vigreney. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire péter la barre des pouces bleus, à vous abonner si ce n'est pas fait. Et puis on espère que ça fasse pas beaucoup de vues ce vigreney, parce que c'est sûrement le premier vigreney de l'année. Et oui, parce que j'ai oublié de préciser que c'était le premier vide-grenier de l'année, hein, que je faisais. Hein. Donc voilà. Je suis plutôt content. Je suis pas rentré les 20 vides. C'était pas les meilleures trouvailles que j'ai faites, mais bon, au moins je suis pas rentré les mains vides. Et ça, c'est quand même déjà pas mal. Et pour moi, je vous propose un petit vide-grenier live. Donc voilà, le prochain vide-grenier live ne sera pas avant début août. Généralement, je devrais en avoir un pas loin de chez moi le 2 août. Et moi, je vous ferai encore une petite vidéo annonce par rapport à ça pour vous confirmer. Mais donc voilà, j'espère encore une fois que ce vide-grenier live vous aura plu. Et n'hésitez pas à vous abonner encore une fois, à faire péter la barre des pouces bleus. Et puis voilà. Donc ceci dit, moi je vous laisse et puis on se dit à très bientôt pour de futures vidéos. Allez, ciao, bye bye et à la prochaine!